Là, c'est bon, t'es chaude? Moi, oui, j'irai jamais, non? Bon, bah vas-y, écoute, on fait comme ça, alors tiens, il est à toi. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, si tu veux boire quelque chose ou. Tu vois. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrasé les martiens? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao! Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo, comme je viens de le faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et faites attention à vous. Ciao. Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon petit frérot Lucas. Son Instagram s'affiche en dessous, donc n'hésitez pas à le rajouter. Ça y fait plaisir et en plus, il répond à tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire. Une jeune femme nous a contactés parce qu'elle est en couple avec un homme et ça se passe mal. Elle a donc décidé de le quitter, mais l'homme en question n'est pas très d'accord. Et comme il n'est pas d'accord, il n'a rien de mieux trouvé à faire que de prendre le chien de son ex-copine pour lui faire du mal. Il a donc pris le chien de sa copine pour lui faire du mal, et en plus de ça, il lui fait du chantage en lui disant que s'il ne se remet pas avec, il fera du mal au chien et il le noiera. Donc quand la fille en question a entendu ça, elle nous a appelé directement et elle nous a prévenu que son mec, enfin son ex, comptait faire du mal à son chien et qui comptait le noyer près de chez elle vers un canal. Comme il n'est pas très intelligent, il a dit où il allait le faire, donc elle nous a donné l'adresse, elle nous a donné le moment où il comptait y aller et on s'y est rendu. Bon les gars, là on vient d'arriver sur les lieux. Bon, heureusement apparemment il est arrivé à temps parce que le chien est encore là. Mais la dame qui nous a contacté, elle avait raison, le mec il est bien ici avec le chien et il compte vraiment faire quelque chose de mal, à part s'il le promène, ce qui m'étonnerait. Mais en attendant, on va rester au loin, on va attendre pour voir ce qu'il fait. Et si à tout moment il fait un truc bizarre... Oh, mais tu veux, mais tu veux pas tailler devant les gens? Sa femme. Tu veux pas tailler? Sa femme, ça. T'as vu qui t'est passé là? T'as vu qui toi? T'as vu moi je sors jamais de l'appartement. Toi, qu'est-ce que tu sors? Tu sors de l'appartement comme ça. Ça vous allez avec ta copine, ça vous allez faire là-bas, ça vous sort pas, ça vous dit qui va pas avec ce qui. Là, là, ça fait une petite. Tu comprends ou pas? Donc là, j'ai ton chien là, ouais, ton chien. Là, je dois promener à chaque fois et tout. J'en ai marre, moi, de le promener. J'en ai marre, je suis partout. J'en ai marre de tuer sa merde, de tuer sa fille. C'est ça que je te dis pour toi. Bon, maintenant, je m'en bats les. Arrête, non, c'était les. Si ton chien, je vais le jeter à l'autre. Moi, j'en ai rien à foutre de ce que tu laisses. Ah ouais, je veux pas les. Je suis pas capable, jamais, je suis pas le même. Quand on me rend fou, je vais le jeter. Toi, parce que je vais pas le jeter. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis pas capable de le mettre dans l'eau. Moi, vas-y, casse-toi, casse-toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a le chien, il va pas jeter le chien. Ah non, nos appartements. Mais tu passes une fois le chien dans le sac pour jeter le sac. Qu'est-ce qu'il prend? Nos appartements. Vite, 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 on y va. Putain, ah, putain, c'est un truc de fou quand même, hein. Ah, fils de. Fils de. Ah. Lève-toi pas. Ah. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah! Ah! C'est normal ça? C'est normal ça? Attends, reste là. Lucas, prends le chien. Regarde tout le cas dedans. Oh, viens là. Viens là. Viens là. Tu veux quoi? Je te mets une coupe dans la tête, vas-y. Viens. Vas-y, tu veux quoi toi? Viens, je te mets une coupe dans la tête, c'est quoi ça? Tu veux quoi? C'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? Et alors, c'est ton problème? C'est ton chien? Arrête, je te mets une coupe. Non, arrête. Arrête! C'est quoi ton problème? Arrête de prendre le mac, hein? Arrête de prendre le mac. Pourquoi je fais ça au chien? Appelle les flics. Vas-y, Lucas, appelle les flics. Quel flic? Appelle les flics. Quoi de flic? Appelle. Qui est Lucas? C'est quoi ça, Lucas? Pourquoi une caméra? Appelle les flics, c'est quoi ça? Une caméra. Appelle les flics, Lucas. Oh, je veux pas de caméra, moi, mon image. Pas de caméra. Ce que tu fais, t'inquiète pas. Moi, je fais ce que j'en veux de mon chien. Eh ben moi, ce que je veux de ton image, d'accord? Moi, je t'explique maintenant. Je vais t'expliquer les choses. Tu vas m'expliquer quoi, toi? Tu es mon père, toi, que tu m'expliques? Tu veux pas, je t'explique. M'expliquer quoi? Bon, allez.
Tu vois, je t'explique pas, me casse pas les. C'est quoi? De quoi? C'est même le sac, tiens. Non, mais attends, attends, les images. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. D'images, je vais aller au commissariat, je vais les montrer. T'as vu sur internet, je vais les mettre sur Facebook, sur YouTube. Non, 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 je vais les mettre. Sur Facebook, sur YouTube, et tout le monde verra ta figure. Donne-moi mon chien déjà. Donne-moi mon chien. Le chien, il t'aime pas. Dégage, dégage. Dégage, dégage. C'est un chien de quoi? Le chien. Casse-toi maintenant. Casse-toi. Alors, qu'est-ce que j'en veux de mon chien? Maintenant. Tu l'as connu ma vie. Toi, je m'en bats les couilles ta vie. Touche pas le chien. Touche pas le chien. Donne-moi le chien. Non. D'ailleurs, tu l'as sauvé avec quoi, toi, le chien? Je t'ai vu tout à l'heure. Je t'ai vu, toi. Avec ça, tu l'as sauvé. Donc, maintenant, tu vas faire quoi? Maintenant, tout ce que tu fais, filmer. Tu vas faire quoi maintenant? Ah, moi, je t'explique. C'est ton bâton. Tu vas voir. Lève ton bâton. Tout ce que tu fais, c'est dans la tombe, je vais te l'éclater. Tu vas mettre quoi dans la tombe? Lève-toi de là. C'est moi, je vais te le mettre dans la tombe. Le bateau, je vais te le mettre dans le cul. Je vais te le mettre. Vas-y, casse-toi maintenant. Casse-toi. Juste ramène mon chien. Je te rendrai pas le chien. Je vais en faire. Je te rendrai pas le chien. Je te dis. Je vais faire ce que j'en veux. Lucas, va là-bas. Je vais en faire. Je retrouve pas le chien. Et les images, tu continues. Je vais les mettre sur internet. Je peux pas dégager. Moi, je veux que ça soit effacé. Ça, c'est interdit de faire ça. Les noyer les animaux, c'est pas interdit. Tu as filmé mon insu. L'animal, c'est le mien. D'accord. Et moi, j'ai besoin de me venger. Et moi? Les images, c'est les miennes. Parce que je tiens tel. Non, si tu veux pas que je mette ton visage sur internet, tu te casses. Je vais dire un truc, moi. Ma femme, elle a pas le droit de me quitter. Je m'en fous. D'accord. Je m'en fous. Elle a pas le droit. Ta femme, je m'en bats les couilles. Jusqu'à maintenant, elle m'écoutait, elle sortait jamais. Et maintenant, elle me quitte comme ça d'un coup. C'est okay. Ma chose et ce tu chien, c'est ma chose. Tu vas aller dans et ce chien, c'est ma chose. Tu vas aller dans l'eau. Non. Alors, s'il te plaît, va là-bas. Ce chien. Wendy, faut que je te. Efface les vidéos. Allez, donne-moi mon chien. Allez, allez. Arrête, arrête. Allez, arrête. Arrête, oh. Arrête, oh. Tu crois que dans ma vie? Oh. Je te dis que j'ai des problèmes avec ma femme. Vas-y et tout là, casse-toi. Allez, je tiens très. Bon, pas les couilles, je tiens très passer pour une fou. Calme-toi, c'est un chien. C'est bon, stop. On va trouver une solution. Écoute, arrête, t'es nerveux. Y'a pas de solution. Si, y en a une, écoute-moi. C'est quoi alors? Tu veux faire croire ta femme que le chien s'est noyé? C'est ça que tu veux? Je veux pas lui faire croire, je veux le noyer. Non. Écoute, mais si on le noie pas. Si on le noie pas et que tu dis à ta femme qu'il est noyé, c'est pareil. Nous on lui rend pas le chien. Mais on va le mettre où ce foutu chien? T'inquiète pas, nous on le fera, on le donnera à quelqu'un, t'inquiète pas, mais faut pas le noyer. Parce que ça tu peux être emmerdé pour ça. J'ai la haine, tu es en prison. Je comprends, j'ai la haine. Oui, je comprends entièrement. Mais il faut pas s'en prendre aux animaux. L'animal il est pour rien, tu comprends? Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va. Est-ce que je peux le prendre un peu le chien? Non, le prends pas, écoute-moi. On va discuter calmement. Moi j'ai des images là. J'ai pas envie d'aller au commissariat. Ouais. Parce que t'es en fait. J'ai juste blessé. En fait, par amour, ouais. Tu pourrais faire n'importe quoi. Et tu vois, je suis un homme donc je le comprends. Je vais pas te dire te blâmer parce que bon, c'est pas bien ce que tu as fait. Ouais. Faut pas s'en prendre aux animaux. Mais après, je comprends que quand on a le cœur. Tu fais un deux. Non, pleure pas. C'est bon. Arrête de pleurer, sois un homme. Donc là, ce que tu fais, c'est grave. Tu sais que tu peux aller en prison pour ça. C'est ça. Moi, je vais en prison. Cruauté animalière. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est rien, ça regarde. Ça, mec. Mec, va se prendre ton téléphone si tu en as eu. Et regarde cruauté animalière. C'est même pas un chien. Tu peux prendre 2 ans d'emprisonnement. Je te merde, c'est même pas un chien. Tu peux prendre 2 ans de prison, mais on a les images, écoute-moi. Comment tu peux respecter un être pareil? Comment tu peux respecter ça? Tu m'écoutes? S'il te plaît, 5 minutes. Vas-y, j'ai pas le temps. Maintenant? Non, tu vois, ça sert à rien ce que tu fais parce que, écoute, si tu t'en vas maintenant, moi les images c'est simple. Je les balance sur internet avec ton visage. Mais écoute. Je vais aller en prison. Si je fais ça, oui. Si je fais ça, oui. Genre à cause de toi, je vais en prison, moi. Si je fais ça, oui, mais je t'ai pas dit j'allais le faire. Si je vais en prison, je te retrouve moi. Non, non. Si je vais en prison, non, je te le dis. Oui, d'accord. Moi déjà, tu n'as pas le droit de me filmer, après je vais en prison. D'accord, écoute-moi. Si je fais ça, tu vas en prison. Maintenant, on peut trouver une solution tous les deux. Vas-y, dis-moi vite la solution, parce que tu es en train de me mettre en stress, tu vois, avec ta prison. Non, tu vas pas aller en prison. Tu vas pas aller en prison. Tu vas pas aller en prison. La solution maintenant, en échange, c'est que tu laisses le chien. Tu nous laisses le chien, écoute-moi. Oh, mec. Mec, écoute-moi. Non. Attends, écoute-moi. Après, tu fais ce que tu veux. Juste, le chien, on le garde. Et toi, tu rentres chez toi et on met pas les images, on te floute sur internet, c'est bon? C'est bon? Non. Pourquoi? Non, donne-moi le chien. Non, je prends pas le chien. Tu vas pas me casser les couilles. Allez, les gars. Allez, on se casse. On se casse. Mets ta femme. Allez, les gars, on se casse. On se casse. Ah, tu te démerdes, je m'en fous. Vas-y, sors-moi de là, tu m'as. Voilà, il va remonter tranquille avec l'échelle. Tu te rends compte l'animal comme il est gentil? Il pleure son maître alors qu'il vient d'essayer de le jeter dans l'eau. Bon les gars, ben voilà, on est de retour avec le chien. En tout cas, bon là on a pu le sécher, tout ça, il va bien. Et grâce à Dieu, on est arrivé à temps parce que franchement, je vous dis la vérité les gars, si on ne serait pas arrivé à ce moment-là, les gars, je vous jure que le chien, il serait
il serait mort, quoi, c'est sûr. Là, déjà, il a bien été traumatisé, le pauvre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y arrivera plus rien de mal à ce chien et que son ancien propriétaire ne lui fera plus jamais de mal. Voilà. Donc, si vous êtes témoin de violence sur les animaux, si vous connaissez quelqu'un qui frappe son animal ou qui veut s'en débarrasser, qui veut l'abandonner, tout ça, n'hésitez pas à appeler les services en question et surtout ne laissez pas faire. Et le message que je veux faire passer, c'est que quand on prend un animal, c'est pour la vie, d'accord ? C'est pas sur un coup de tête, c'est comme un enfant, il faut l'assumer comme il a dit Lucas. Et surtout, si vous avez une copine et que vous disputez avec elle, surtout ne mettez pas les animaux au milieu, ça sert à rien, ils n'ont rien à voir, comme les enfants, ils n'ont rien à voir. Ce sont des êtres innocents, ce sont des êtres chers et ce sont des êtres qui ont une conscience, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se retrouve mercredi prochain sur cette même chaîne à 18h pour une nouvelle expérience ou un nouveau prank, on verra bien. Et voilà, rajoutez Lucas en masse sur Instagram, rajoutez-nous à nous aussi. Je vous fais de gros bisous et arrêtons la maltraitance animalière. C'était Camoff. Ciao.